À quoi ressemblera le monde dans le futur? La CIA a tenté de répondre à cette question et c'est pas du joli. L'agence américaine a réalisé un rapport, Le paradoxe du progrès. 300 pages environ qui annoncent une augmentation nette des tensions dans le monde de manière générale. 2035, ça serait donc 8,8 milliards d'habitants, dont 5 milliards agglutinés dans 40 mégalopoles. Mégalopoles avec en moyenne 10 millions de personnes. Un monde où les gouvernants ont perdu la confiance du peuple en accumulant les scandales. Une politique qui deviendrait plus régionale, concentrée sur des actions précises. Des accords entre les États qui seront abolis, une économie basée sur le développement des technologies pouvant devenir dangereuses pour les êtres humains, des conflits et des guerres télécommandées, informatisées ou nucléaires visant à distance les populations civiles en priorité. Mais 2035 annonce aussi un environnement en déclin, une météo catastrophique, le réchauffement climatique, la pollution de l'air ainsi que de graves pénuries d'eau courante. Un avenir annoncé sous le signe de la dissolution, de l'automatisation et des crises. Un futur effrayant.